Ici, nous sommes donc au collège Maurice Schumann de Bécancour et nous allons assister à la lecture d'extraits de l'Iliade. Nous avons choisi en particulier le chant 1 et surtout le chant 24 avec la supplication de Priam pour lui remettre le corps d'Hector et donc qui se terminera par la mort d'Hector. Théa, Pelea Deo, Achilleos, Ulomenin, et Mouri, Achilleus, Algué, Eteke, Polas, Diphtimus, Soukas, Aidi, Royapsen, Eron, Autus, De Eloria, Teuke, Inesin, Oilionaisi, Tepasi, Diop, De Tekeito, Bouleex, O, De Taprota, Dias de Ten, Eristante, Estreides, Theanax, Andron, Caïs, Dios, Achilleus. Atridei, Tecae, Aloi, Ecnemides, Acailoi, Humil, Men, Teoi, Doien, Lumpia, Domeit, Econtes, Ecpersae, Priamoyo, Pauline, Deicod, Ikestai. Eremi de Pampan, Apostul d'Amene, Theosi. Umen Gartime, Ge mi Esetai, Al Etoi, Klepsai, Men, E Asomen, Ude, Pe esti latre Achilleos Thrasus Hectora. E gar hoi aie meter parmen bloken homos nuctas tecai emar al etis caleseie teon tecim ason emeio opura tioi epo punicot epos os ken Achilleus doron ec priamoio Lake apo Hectora luce. Omoi petetoi prenes oikon estoparos perecle epanthropus xenus edolcin aneseis pos eteleis epileas adroi eltemen Cosambros es oftalmus, astoi poleaste cae eclus, oes exenarixe siderion nutoi eton, egar sarresen, cae es obsetai oftalmosim, omestes cae apistos, aner oliusia sereis, audeti saidesestai. Nai katerukane. Me demoi aute omnis eni mea mega rois kakos pelo aude me peisis. Nesai patros soio deois epieica aquila teleco os per egon oloi epi geraos auto negatinum negatizegere gion. Noeo de cae otos, ectoratoi osai, dioten semoi ongelos, elte, meter e meketen, tugater aloio gerontos, estaitoi cae tota geron priam os sukeloies, skeso gar polemon tosot chronon oson agonos.
de moi, oios, en eirutor de ostu, kai otos, ton su, roel, terimal, aminomenon, speri, matres. Ectora ton lune, eynec, itcano, neas, acaion. Lusomenos para seio, ferro d'apervesi apoina. Aner ab oleomos, leos oleo, kademe keren, leitis en megarosin, pais depi lepios, itos kon sekomen, soute gote dousamopiol, oude oio eben xestai finegar, polis et de catacres, persetai, egar ololas, episcopos, Ostemine otei, muske, ekeis, dalokus, kadnas, kai nepia, tekna, ai detoi, taka, neusin, oke, sentai, glafus resi. Hector, remo, tumo, pantan, pedun, filtate, pedon, emen, moi, zos, perren. Φιλά σε στάθη οσύν, οι δαράσε και δοητού, καλ εν δαλατόν, περαισί. Αλούς μεγκά φεδά σε μούς, πόδια σε κούς αχιλούς, περνάς ον τίν ελεσκέ περέν αλός ατρογετόι, εσ σαμόν, εσ τιμρόν, καλ λεμόν, Amitalo esan, polar tasken, eiperisen etarion. Hector, emo, tumo, daeran, polu, filtate, pantom, aimé, moi, poesis, estis, alexandros, troedes, os, mapafe, troerbe, os, puis, ophelo, olestre. Alors passons maintenant au texte français. Chante, déesse, le ressentiment d'Achille, fils de Pélée, ressentiment funeste qui causa tant de malheurs aux Achéens, qui précipita dans les enfers les âmes courageuses de tant de héros et fit de leur corps la proie des chiens et des vautours, lorsque pour la première fois se divisèrent par une querelle Agamemnon, roi des hommes, et le divin Achille. Attridez-vous, grecs aux belles Némides, puissent les dieux qui habitent l'Olympe renverser par vos mains la ville de Priam et vous ramener heureusement dans vos foyers. Mais rendez-moi ma fille chérie, acceptez sa rançon et révérez le fils de Jupiter, Apollon, qui lance au loin les traits. Oh mon fils, combien de temps encore te rongeras-tu le cœur dans la tristesse et dans les larmes, oubliant à la fois et la nourriture et l'amour? Maintenant, écoute-moi, car je suis envoyé vers toi par Jupiter, qui m'a ordonné de te dire que les dieux et lui, plus que tous les habitants de l'Olympe, sont irrités contre toi, parce que dans ta fureur, tu retiens Hector près de tes navires. Rends-le donc à son père et reçois la rançon qui te donnera pour le cadavre de ton fils. Junon ne t'irrite point contre les habitants de l'Olympe, car Hector et Achille ne jouissent pas des mêmes obus. Ne permettons pas que le cadavre de l'intrépide Hector soit enlevé secrètement. Achille en serait bientôt instruit, car Thétis veille constamment sur son fils, et la nuit et le jour.
Mais si l'on veut engager cette déesse à se rendre près de moi, je lui donnerai de salutaires conseils pour qu'elle dispose Achille à recevoir les dons de Priam et à rendre moyennement une rançon le cadavre d'Hector. Hélas, qu'est devenue ta prudence si célèbre depuis longtemps parmi les peuples étrangers et parmi ceux que tu tiens sous ta domination? Quoi, tu veux aller seul jusqu'au vaisseau des Grecs affronter le regard de cet homme qui t'a ravi tant de courage au fils? Tu as donc un cœur de fer. Dès que cet homme cruel et perfide t'apercevra et qu'il saura que tu es en son pouvoir, il ne te respectera pas et sera pour toi sans pitié. Renfermons-nous plutôt dans l'endroit le plus retiré de notre palais et là pleurons notre fils infortuné. Ne me retiens pas quand je veux partir et ne sois pas en ces lieux un funeste présage. Tu ne fléchiras point mon cœur. Souviens-toi de ton père qui est de mon âge et qui touche au seuil de la vieillesse. Noble enfant de Jupiter, ne me force point de m'asseoir sur ce liège pendant que le cadavre de mon cher Hector est étendu sur la terre. Privé de sépulture, rends-moi mon fils afin que mes yeux puissent encore revoir celui que j'ai tant aimé. Oh vieillard, n'excite pas ma colère. Je sais que je dois te rendre ton fils car ma mère, la fille du vieux Néré, est venue elle-même apporter les ordres du grand Jupiter. Ô Achille, si tu me permets de célébrer les funérailles du divin Hector, tu me combleras de grâce et de faveur. Je sais que nous sommes renfermés dans la ville, que la forêt d'où nous tirons notre bois est située sur une montagne éloignée et que tous les Troyens sont remplis de terreur. Nous pleurerons pendant 9 jours dans mon palais et le 10e nous célébrerons les funérailles de mon fils. Ainsi que le repas funèbre, le 11e jour, nous lui élèverons un tombeau et le 12e, nous recommencerons à combattre si la nécessité nous y contraint. Ô vieillard, je gérerai selon tes désirs et je te promets que pendant 15 jours, mes guerriers s'abstiendront de combattre.